Bonjour et bienvenue. Essayez de prendre une position agréable, que ce soit l'appui de la tête, des épaules, du dos, du bassin, des jambes. Cherchez naturellement à se relâcher, à se mettre un peu plus au repos. C'est comme si on cherchait à nettoyer peut-être son corps des tensions, des contrariétés ou des pensées parasites, tout simplement. On va commencer par prendre une profonde inspiration, gonfler son ventre et puis souffler. Voilà, prendre le temps tranquillement, s'installer. Et puis, on va faire maintenant ce qu'on appelle un nirtère. Donc, je vais vous expliquer. Il suffit de prendre une profonde inspiration, de gonfler son ventre, de bloquer sa respiration quelques instants et de contracter tous les muscles de son corps et puis de souffler, de relâcher. On va commencer d'abord en monopolisant l'ensemble des muscles de votre corps. Donc on va le faire ensemble. Donc j'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque ma respiration de la tête jusqu'aux pieds et je souffle et je relâche. Voilà, je prends le temps tranquillement de ressentir et de percevoir peut-être mon corps différemment. Prenez bien le temps de récupérer. Un peu comme si vous souhaitiez nettoyer votre corps, petit à petit, progressivement. Je vais vous demander de porter attention à votre visage et de prendre une profonde inspiration, de gonfler votre ventre, de bloquer votre respiration et de crisper tout l'ensemble des muscles de votre visage, les yeux, le front, le nez. Et je souffle et je relâche. Voilà, prendre le temps de récupérer et peut-être même de percevoir un peu différemment son visage. Un peu comme si on pouvait prendre conscience progressivement de la décontractation de son visage. Je vous invite à répéter le mouvement une seconde fois. Donc j'inspire. Je gonfle le ventre, je bloque ma respiration, je contracte l'ensemble des muscles du visage et je relâche et je souffle. Voilà, sentir son visage se relâcher, se détendre, comme s'il était à présent un peu plus nettoyé. Et puis, l'on va poursuivre sur le chemin de la détente et je vais vous demander cette fois de monopoliser eh bien, les muscles des épaules, des bras, des mains, des doigts, jusqu'au bout des ongles. J'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque et je contracte les épaules, les bras, les mains, et je souffle et je relâche. Voilà, sentir ses bras se déposer, se relâcher le long de son corps, prendre le temps de récupérer, et puis une seconde fois. J'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque ma respiration, je contracte les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout et je relâche et je souffle. Bien prendre le temps de se relâcher, toujours et encore. Prendre le temps peut-être de percevoir son corps un peu différemment. Et puis nous allons poursuivre et cette fois, je vais vous demander de monopoliser l'ensemble des muscles du dos et du ventre. On prend une profonde inspiration, gonfle son ventre et on contracte le dos, le ventre, les abdos. Et je relâche et je souffle. Voilà, prendre le temps de souffler. Prendre le temps de se relâcher. Et puis une deuxième fois. J'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque et je contracte le dos et le ventre, les abdos. Et je relâche.
bien sentir son torse, son dos se relâcher, se détendre, se libérer des tensions. Et puis poursuivre, toujours et encore. Et cette fois, peut-être décontracter le bassin, les muscles fessiers. Prendre une profonde inspiration, gonfler son ventre, bloquer sa respiration et contracter les muscles fessiers, le périnée, le bassin. Et je relâche en soufflant. Voilà, sentir son bassin soulagé, se relâcher, se mettre au repos. Et puis une deuxième fois, j'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque, contraction des muscles fessiers du périnée et du bassin. Et je relâche et je souffle. Voilà, sentir peu à peu eh bien, le bas-ventre, le bassin se relâcher, se détendre. Et poursuivre cette fois avec le bas du corps. Je vais vous demander de monopoliser vos jambes, vos mollets, vos chevilles, les pieds, les orteils. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque tension des jambes, des mollets, des chevilles, des pieds, des orteils jusqu'au bout des ongles et je relâche et je souffle. Voilà, peut-être sentir ses jambes s'alourdir, se relâcher. Prêtez attention au ressenti. Et puis, une deuxième fois, j'inspire, je gonfle mon ventre, tension des jambes, des chevilles, des pieds, des orteils, et je relâche et je souffle bien. Voilà, prendre le temps de se relâcher, le bas de son corps. Apprécier peut-être les sensations, et puis, un peu comme pour finaliser cet exercice, comme pour reprendre conscience de l'ensemble de tout votre corps qui est à présent détendu. Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration, de gonfler votre ventre, de bloquer votre respiration et de contracter l'ensemble des muscles de votre corps, de la tête, des bras, des épaules, des mains, des jambes, des pieds, des orteils, et puis de souffler, de relâcher. Allez. On inspire, on gonfle bien le ventre, on bloque la respiration et allez, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte et on souffle et on relâche. Voilà, prendre le temps de récupérer, prendre le temps de se relâcher jusqu'au bout. Ne pas hésiter peut-être à vous réinstaller, à reprendre une position peut-être un peu plus confortable, peut-être vous tourner sur le côté si vous le souhaitez, un peu comme si vous cherchiez naturellement à réinscrire l'empreinte de votre corps sur le sol ou sur le fauteuil. Voilà, tranquillement reprendre sa place, sentir son visage nettoyé, détendu, ses bras, ses mains, ses doigts, son dos, sa poitrine, son ventre, son bassin, ses jambes, ses pieds, jusqu'aux orteils. Voilà, se dire que c'est le moment à présent pour vous peut-être de vous relâcher, de vous laisser aller un peu plus et de laisser votre corps au repos et ne plus porter attention qu'à mes paroles. Peut-être vous imaginez à présent, eh bien, sur une plage connue ou inconnu, peu importe. Un endroit où vous aimeriez peut-être être, une plage au calme. Eh bien, pour rendre cette image un peu plus présente à votre esprit, je vais vous demander à présent d'imaginer les couleurs. La couleur du ciel, peut-être d'un bleu azur. La couleur de la mer, avec toutes ses nuances, tous ses reflets, la couleur du sable ou des galets, voir cette plage, cela représenter, et puis chercher peut-être à écouter peut-être le bruit des vagues, le ressac régulier, le doux bruit des vagues
qui se cassent sur le rivage, le bruit des vagues lorsqu'elles se retirent. Écoutez peut-être le chant des oiseaux, s'il y en a. Imaginez les bruits de cette plage. Vous les remémorez, peut-être même vous laissez bercer par le bruit des vagues, calme, régulier. Imaginez. Imaginez aussi l'odeur des embruns marins, l'air iodé, peut-être même le parfum des crèmes solaires. Se souvenir des odeurs présentes sur cette plage, sentir l'été, sentir la chaleur du sable, peut-être sous votre dos, sentir peut-être le sable glisser entre vos doigts, sentir peut-être la caresse de l'eau sur vos pieds, sur vos chevilles, percevoir la chaleur de votre corps, percevoir la chaleur du soleil, vous sentir enveloppé par les rayons du soleil, et peut-être en ressentir la force, la vitalité, comme si celle-ci pouvait à présent vous envahir progressivement. Cherchez peut-être à ancrer ces sensations de chaleur, de vitalité, de force à l'intérieur de vous. Et pour cela, je vais vous demander de prendre une profonde inspiration, comme si vous pouviez vous emplir de cette force, de cette énergie, faire une légère rétention mentale et de souffler pour laisser diffuser. Commencez par inscrire ces sensations au niveau de votre visage. Inspirez, bloquez quelques instants votre respiration, inscrire la force, la chaleur, l'énergie sur votre visage et soufflez pour laisser diffuser, comme si votre visage pouvait s'emplir, se transformer. Peut-être une nouvelle fois à votre rythme, emplir votre visage de chaleur, d'énergie, de force et de laisser diffuser. Et puis poursuivre, vous emplir un peu comme on emplirait une bouteille, progressivement, et cette fois, portez votre attention sur la chaleur de vos bras, de vos épaules, l'énergie et la vitalité, sur ces parties-là de votre corps. Prendre une profonde inspiration, légère rétention mentale, et soufflez pour laisser diffuser dans vos bras, vos mains, vos doigts, jusqu'au bout des ongles, progressivement, sentir la force et l'énergie vous envahir. À présent, portez attention à votre dos, votre poitrine, votre ventre. Prenez une profonde inspiration, imprégnez cette force, cette vitalité dans votre ventre, votre dos, et puis soufflez, comme pour laisser diffuser un peu plus encore. À présent, le bassin. Inspirez. Sentez la force et l'énergie dans votre bassin et soufflez, comme pour laisser diffuser toujours et encore. Reprendre une profonde inspiration. Imaginez la chaleur, la force, l'énergie qui envahit progressivement vos jambes et soufflez pour laisser diffuser dans la partie basse de votre corps. Et puis voilà, faire le plein peut-être une dernière fois. Prendre une profonde inspiration et sentir à présent l'ensemble de votre corps plein de force et d'énergie et puis de souffler. Vous allez vous ressentir à présent totalement relâché, plein de force, d'énergie, comme si votre corps pouvait rayonner comme le soleil. S'imaginer rayonner, plein de force, plein d'énergie, de calme. Voilà. Profitez de ces quelques instants de calme encore pour laisser venir à vous un mot, une valeur. Peut-être même une réponse.
quelque chose dont vous avez besoin là, maintenant, aujourd'hui, et vous vous l'appropriez. Et à présent, vous allez ranger le souvenir de cette plage dans un coin de votre tête et de garder le bénéfice de cette image. Se sentir peut-être un peu plus tonifié, peut-être rempli de vitalité et de force. Et à présent, vous allez chercher progressivement et bien vous remettre en éveil, à votre rythme. Peut-être de percevoir les bruits extérieurs un peu plus précisément à présent. Reprendre contact aussi avec votre corps. Commencez par bouger peut-être les doigts, les mains. Ne pas hésiter à bâiller, à s'étirer, à se frotter. Et de n'ouvrir vos yeux qu'au dernier moment, quand vous aurez suffisamment récupéré et que vous vous sentirez prêt ou prête. Je vous dis merci et à très bientôt.